monde, j'espère que vous allez bien. Moi, nickel, je suis super contente de vous faire cet unboxing. Voilà, vous aurez reconnu, en même temps, c'est marqué derrière, c'est comme le port salut, mais bon, vous aurez reconnu le Tiki. Sauf que ça rentre pas un DP là-dedans. Non, ça rentre pas un DP là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du point de croix. Voilà, j'ai encore craqué pour un point de croix. Oraloa, mais ça sera pas le dernier parce que j'ai déjà prévu d'en prendre un autre. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai craqué parce que forcément, je suis faible. Alors, hop, on va ouvrir ça. Hop, je ne veux pas vous spoiler l'image tout de suite. Donc, on ouvre de mon côté discrètement. Alors, comment se présente un kit Oraloa? Ça se présente comme type Joy Sunday en ce qui concerne la pochette. Voilà. Et le modèle, c'est... Tadam! Oh là 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 là! Elle est trop belle. Oh, elle est trop trop belle. Oh là là, oh là là. Elle est trop belle. Au cas où vous auriez pas compris, je la trouve trop belle. Voilà. Donc là, c'est le renard du printemps de Vayounette en 40 par 40 en 14 CT. Trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien. Nous allons tenter le 14 CT chez Oraloa. Voilà, elle est trop belle. C'est du point de croix estampé, hein. Forcément. Je ne suis pas encore lancée dans le comté. Je ne sais pas si un jour Oraloa le feront. Mais voilà, moi ça me va très bien de l'estamper. Ça me va très très bien. Alors, eh bien, j'ai du mal. Oh, mais regardez-moi ça. Rien que d'ouvrir, regardez-moi ça. Voilà, rien que d'ouvrir le patron comme ça. Super bien imprimé. Franchement, même en DP, parce que je me doute qu'à mon avis, ils sortiront en DP. Même en DP, franchement, il va rendre sublime, quoi. Alors. Pour Oraloa, parce que je vais vous le poser, sinon ça ne va pas être pratique pour moi. Pour Oraloa, en fait, ça se présente sous forme de livret. Alors, hop là, comme ceci. Voilà. Et puis nous avons toujours celui du milieu. Est-ce que vous voyez de là? Oui, ça va. Nous avons toujours le milieu, donc avec le full stitch, pardon. Nous avons 58 couleurs. Voilà. Je vous montre un peu l'impression du patron. Et donc là, je vous montre. Les couleurs sont juste. Waouh. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Voilà, j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais voilà. Là, j'ai dit, tant pis, je ne vais pas attendre plus longtemps. Alors, nous avons. Oh, purée! Plein, plein, plein de fils. Donc, nous avons deux aiguilles accrochées. Il y en a bien deux. Oui, on a deux. Donc, deux aiguilles. Nous avons trois plaquettes. Non, non, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Alors, attendez. La première. Voici les couleurs. Voilà. Bon, c'est pas très pratique, hein. Je vous l'accorde. En plus, je suis toujours en mode handicapé du poignet. Donc ça n'aide pas. Et voici, oh, regardez-moi ce rose et le bleu là. Oh, ah non, j'adore. Oh, puis ce fer. Oh là 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 là, non mais. Donc c'est ma deuxième toile de chez Oraloa. La première, c'était mosaïque. Voilà. Trop trop belle. Franchement. Et voici la bête. Hop. Voilà, hop là. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, très bien. On a là, comment s'appelle là, le tableau, pardon, le tableau DMC. On est en fin de journée, hein, donc nous avons le tableau de DMC ici et nous on continue sur les côtés. Très, très bien imprimé. Alors déjà, je parle du tableau. Très bien imprimé le tableau, ce qui est plutôt rare, honnêtement, sur les toiles. C'est rare quand on les Quand on le distingue si bien quand même. Regardez là et là. Voilà. Et donc, tant que j'y suis, je vous montre l'impression de la toile. Et il n'y a pas de. Enfin,
Quand on connaît la qualité au Raloa sur le DP, on se doute bien que niveau point de croix, bah, l'impression sera la même, quoi. Non, franchement, elle est trop trop belle. Regardez-moi cette beauté. Ah là là, mais elle est trop belle. Franchement, elle est vraiment, les couleurs sont juste. Ah, je vous remontre. Je vous remontre. Regardez-moi les couleurs. Du violet, du rose, du bleu. Enfin, du bleu vert canard. Ah non, mais c'est trop 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 beau. Voilà. Et je vous remontre du coup le modèle comme ceci. Donc pendant un temps, je disais que je n'étais pas très 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 fan des illustrations de Vaillonnette. Enfin, c'est pas que je ne suis pas fan, c'est qu'il y en a que j'aime bien, mais je sais que beaucoup sont fans de tous ces dessins. Moi, pas tous. Mais là, ça fait une paire d'illustrations qu'elle sort que j'aime beaucoup, hein, donc ça va pas le faire si je commence à être fan de tout ce qu'elle sort. Voilà. Oh, elle est trop belle. Ah ouais, non, franchement. Vraiment, vraiment sublime. Je suis en amour. Voici, hop, les petites couleurs. Non, mais. Dites-moi si, bah, si vous avez craqué pour cette toile. Voilà, dites-moi si vous l'avez commencé aussi, parce que. Alors, j'ai Mosaïque et je ne peux pas la faire. À mon grand regret, je ne peux pas la faire parce que, actuellement, parce que la toile est. Bah, en fait, elle est super rêche. Là, ça va. Franchement, elle est moins. Ouais, c'est autre chose. C'est top parce que je sais qu'au Raloir, on a eu beaucoup, beaucoup de retours sur ça, comme quoi leur toile était trop, trop dure, trop rêche. Et ça, c'est top. Vraiment top qu'ils aient pris en compte. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'ils ont déjà pris en compte les critiques constructives en matière de DP. Donc je me doutais qu'en matière de point de croix, bah, ils seraient fidèles à eux-mêmes, quoi. Donc ça continuerait à suivre les indications des acheteuses. Et donc ouais, elle est moins rigide. Parce que moi, comme je disais, mon grand regret, Mosaïque, je ne peux pas la faire actuellement à cause de mon poignet. Et bah, j'ai hâte de pouvoir la reprendre et que ma tendinite s'en aille pour pouvoir la reprendre et l'avancer, quoi. Parce que pour le mois de mars, j'y ai pas touché. Et bah, ça me fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Ça me fait chier. Voilà. Alors moi, je vous dis, hein, je parle comme je parle en principe hors caméra. Voilà. Bah, dites-moi du coup si vous avez craqué pour celle-là ou si vous avez pris d'autres toiles de chez eux. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!